Il y a quelques jours, une vidéo virale déchirante a fait un buzz incroyable sur le net, entraînant ainsi une vague titanesque de critiques, de colère et d'indignation partout dans le monde. Sur les images, un visage, celui d'un petit garçon pleurant et souhaitant sa propre mort sous les yeux désarmés de sa mère. Victime de harcèlement scolaire à cause de son nanisme, le petit Quaden Bales est devenu en quelques jours une star grâce à cette vidéo. De nombreuses célébrités se sont alors mobilisées pour le soutenir et une cagnotte a été mise en place pour lui redonner le sourire. Mais cette vidéo a créé un tel engouement que d'autres personnes se sont posées des questions quant à la véracité des faits. Ces personnes ont produit des documents insinuant que Quaden aurait en réalité 18 ans et serait acteur. Alors, Quaden a-t-il vraiment 9 ans ou plutôt 18? Nous vous dirons toute la vérité sur ce mystère aujourd'hui. Voici l'histoire touchante et bouleversante de Quaden Bales, l'enfant nain au grand cœur. Qui est Quaden Bales? Quaden Bales est un enfant qui vit à Queensland, en Australie, et qui souffre d'achondroplasie. L'achondroplasie est un défaut constitutionnel de la croissance de l'os, caractérisé par une petite taille et un raccourcissement des membres. Dans la majorité des cas, elle n'affecte pas l'intelligence humaine. Ce type de nanisme est dit disharmonieux ou disproportionné, car il est plus marqué sur les membres, contrairement au nanisme harmonieux, qui porte sur l'ensemble du squelette. À cause de sa maladie caractéristique, le petit Australien a toujours été victime d'intimidation et de harcèlement scolaire de la part de ses camarades dans son école à Brisbane. D'ailleurs, il a essayé plusieurs fois de mettre un terme à ses souffrances en faisant des tentatives de suicide. À court de solutions et complètement perdu, sa mère a donc décidé de le filmer un jour à la sortie de l'école. Le petit, qui venait tout juste de subir une énième fois un terrible harcèlement, était sorti ce jour-là en pleurs et complètement détruit. Sur les images, on le voit pleurer à l'arrière de la voiture de sa mère. Entre des sanglots étouffés, on perçoit des paroles déchirantes. Le petit Quaden demandait à mourir. Je veux me suicider, a-t-il répété à plusieurs reprises. Une phrase poignante qui a bouleversé et choqué le monde entier en l'espace de quelques minutes seulement. Le constat était bien clair, cet enfant était en réelle détresse psychique. Déterminé à mener un vrai combat, Yaraka Bales, sa mère, a diffusé la vidéo sur tous les médias et réseaux sociaux afin de sensibiliser le monde sur le pouvoir destructeur des mots et des moqueries. Dans la vidéo, la maman demandait à ce que les gens éduquent leurs enfants, qu'ils leur apprennent que la différence était normale et que les mots pouvaient faire bien plus de mal qu'on ne le pensait. Le monde entier se mobilise pour Quaden. En peu de temps, la vidéo est devenue virale et a touché le monde entier, atteignant ainsi plus de 16 millions de vues et attirant à l'occasion des milliers de commentaires de soutien. Même des célébrités ont tenu à soutenir le petit Quaden en publiant des messages pour lui. Parmi elles, l'acteur Hugh Jackman qui a posté sur son compte personnel une vidéo s'adressant au petit garçon. « Quaden, tu es plus fort que tu ne le penses mon pote, et quoi qu'il arrive, je suis ton ami. » L'acteur américain Mark Hamill a dénoncé à son tour la cruauté des enfants envers le petit Quaden, tout comme Jeffrey Dean Morgan, qui a été lui aussi outré par cette histoire. L'humoriste Brad Williams, également atteint d'achondroplasie, a décidé lui aussi de se joindre à la communauté et de soutenir le petit Quaden. Il a ainsi créé une page GoFundMe pour lancer une cagnotte en ligne qui servirait à payer à Quaden et à sa maman un voyage à Disneyland en Californie aux États-Unis. L'acteur américain a expliqué que les fonds collectés seront consacrés à la réservation d'un séjour complet, comprenant l'hôtel, la nourriture, les billets du parc Disneyland d'Anaheim, ainsi que des billets d'avion de l'Australie à Los Angeles pour deux personnes. De quoi redonner le sourire aux petits. Il a également ajouté que le reste des fonds sera dédié à des associations caritatives qui se battent contre le harcèlement scolaire. Je mets en place ce GoFundMe pour faire savoir à Quaden que l'intimidation ne sera pas tolérée et qu'il est un être humain merveilleux qui mérite de la joie, a-t-il écrit dans la description de la collecte de fonds. Créée le 20 février 2020, la cagnotte s'est élevée à plus de 460 000 dollars en seulement 3 jours. Et ce n'est pas tout, les joueurs de rugby du pays ont eux aussi été touchés par l'histoire de Quaden. À tel point que la Ligue australienne de rugby a invité le petit garçon à assister à un match le 22 février 2020 au Cebus Super Stadium de Gold Coast. Quaden a alors eu l'occasion de mettre les pieds sur la pelouse avec l'équipe nationale peu de temps avant le match de la LNR entre les All Stars autochtones et les All Stars Maori Kiwis de Nouvelle-Zélande. Le joueur australien Latrell Mitchell a d'ailleurs déclaré qu'il soutenait Quaden en cette période difficile et qu'il souhaitait le meilleur pour lui. Ne s'attendant pas à recevoir en réponse autant de messages de soutien et d'affection de la part d'inconnus, et encore moins de la part des plus grandes célébrités du monde, Quaden et sa maman furent profondément émus et touchés par tant d'amour. Une histoire touchante qui aurait dû s'arrêter là, mais qui a malheureusement pris une toute autre ampleur, car pendant que tout le monde compatissait et soutenait le petit Quaden, d'autres voix visiblement sceptiques se sont élevées pour dénoncer un mensonge. Car oui, selon elles, Quaden n'avait pas 9 ans mais plutôt 18. Pire, il serait un acteur machiavélique et confirmé. Lui et sa maman auraient monté tout ce stratagème pour s'attirer la pitié du monde entier et créer ainsi le buzz.
Une scène bien jouée ou un réel drame ? Suite à cet emballement médiatique, certaines personnes très dubitatives ont avancé que cette vidéo était fausse, entièrement jouée par Coeden, le qualifiant au passage d'excellent acteur qui simulait très bien sa peine. Elles ont également mis en doute la véracité des faits, ainsi que l'âge réel du petit garçon. Selon elles, ce dernier était bien plus âgé que sa maman, ne le prétendait. Et pour cela, ils avaient une preuve, une photo postée sur le compte Instagram de l'enfant sur laquelle on le voit posé à côté d'une jeune femme, et du chiffre 18, ce qui est irréfutable selon les accusateurs. Ces derniers ont aussi avancé que les postures du petit n'étaient pas celles d'un enfant de 9 ans. Autre accusation outrageante, les cagnottes et comptes à l'image de Coeden n'étaient pas réels, et tout cela n'était selon eux qu'une grande escroquerie. La mère de Coeden a été, elle aussi, pointée du doigt. Une journaliste de la chaîne de télévision CNN l'a accusée d'avoir partagé une scène traumatisante sans consentement de l'enfant et de l'avoir mêlée à une vidéo dont il sera pour toujours associé. Elle a également été accusée d'encourager d'autres parents à essayer de l'imiter, entraînant ainsi un mouvement perpétuel de polémique. Les preuves. Obligée de riposter, la maman, Yaraka Bales, a d'abord démenti ces fausses rumeurs en avançant toutes les preuves qui confirmaient la véracité des faits. Elle a été fortement soutenue par les membres de l'association Dwarfism Awareness Australia Inc., qui aide les personnes atteintes de nanisme en Australie. Ceux-ci l'ont rejoint dans ce combat et ont affirmé que celui qu'on pointait du doigt était bel et bien un enfant souffrant d'achondroplasie, une maladie génétique. Les internautes et les médias se sont donc penchés sur la question pour vérifier si toute l'affaire était bien réelle. Et effectivement, il suffisait de chercher un peu pour découvrir plusieurs éléments qui attestent que Coeden a bel et bien 9 ans. En effet, ce n'est pas la première fois que l'histoire du petit Australien apparaît dans les médias. En 2015, Coeden Bales avait fait l'objet d'un reportage Live in Black sur une chaîne du service public australien. Il racontait les défis auxquels était confronté le petit garçon qui était à l'époque âgé de 4 ans et qui parlait en détail de la maladie qu'il avait obligé à subir 4 opérations chirurgicales. Sur les images, on voyait clairement un petit garçon jouer devant les caméras et non un jeune adolescent de 13 ans, âge qu'il aurait eu s'il avait 18 ans aujourd'hui. Autre preuve. Au cours de ce même reportage, un médecin interrogé a montré aux caméras la radio du cerveau du petit patient. Un document médical attestant clairement de la date de naissance de Coeden qui est le 13 décembre 2010. Quant à la photo qui incriminait l'enfant vêtu d'un survêtement de grande marque, aux côtés d'une jeune femme et d'un 18 lumineux, il s'est avéré, après les investigations, que l'enfant s'était rendu à cette occasion à l'anniversaire d'une amie, puisqu'un message d'anniversaire au nom de Gerlen était bien visible sur d'autres photos postées en même temps que celle-ci. Et pour ce qui était de la cagnotte factice depuis la mise en ligne de la vidéo de Coeden Bales, plusieurs faux comptes et cagnottes ont effectivement fleuri sur la toile. Ceux-ci furent créés par des arnaqueurs qui ont tenté de profiter de la situation et de gagner malhonnêtement de l'argent. Cependant, la seule cagnotte de soutien officielle est celle lancée par le comédien Brad Williams. Avant de supprimer son compte officiel, le petit garçon avait d'ailleurs pris soin d'avertir les gens en leur demandant de faire attention et de signaler les faux comptes le plus rapidement possible. Espérons seulement que pour le petit Coeden, cette triste affaire l'aidera à mieux vivre et à affirmer sa différence devant les autres. Alors que pensez-vous de la triste histoire de Coeden Bales? Pensez-vous qu'il est réellement victime d'harcèlement scolaire ou bien qu'il s'est servi de la vidéo pour faire le buzz? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette affaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.